Nancy espère enfin marquer son premier but de la saison en effet. Les Lorrains sont complètement bloqués, 6 matchs, 6 défaites et donc toujours pas le moindre but inscrit. Il va falloir le faire face au Havre qui est 8ème. Des Havrais qui eux aussi ont du mal à marquer, 3 buts inscrits lors des 6 premières journées de Dominos League 2. La première opportunité est en faveur des Ciels et Marines et le but est marqué par Alimami Gori, 1-0 après 8 minutes. Ça se complique déjà pour l'AS Nancy Lorraine alors que le hack est bien lancé dans le match. L'accélération de Zinedine Ferrat, le meneur de jeu du hack, excellent passeur, réussit à se jouer du gardien et à placer cette balle idéalement pour Gori qui marque à bout portant. Nancy essaye de se relancer avec ce centre sorti par Johan Thuram. C'est encore trop timide pour l'équipe de Didier Tolo qui insiste tout de même pour enfin marquer ce premier but. Mais Johan Thuram s'interpose sur ce tir de loin. Une jolie frappe signée Mons Baswamina. À la mi-temps, c'est bien le hack qui mène au score. La situation est toujours difficile pour Nancy, mais il reste 45 minutes. Attention à ce contact dès le retour du vestiaire. Et le coup très dur pour l'équipe lorraine. Jérémy Pignard, l'arbitre, sort le carton rouge contre Ernest Seca. Il avait pris un premier jaune à la 31e et là il prend le rouge dès le retour du vestiaire. 47e minute, Nancy se retrouve à 10 pendant presque toute la seconde période. Les Lorrains ne parviennent pas dans ce contexte à redresser le score. Victoire du Havre, 1-0 sur le terrain de Nancy.